Et c'est mode, on est parti pour le petit event du soir de Vanguard. Enfin, Revolt à Vanguard. On arrive vraiment à la fin de l'event. Parce que là, c'est 8h34. Ça fait déjà 1 heure que l'event est là. Donc, à mon avis, c'est peut-être la seule game qu'on pourra avoir. Donc, si elle coupe avant la fin, bah, excusez-moi. Je sais pas, en tout cas, ça vous a plu. On aura chané à la thématique. Parce que je sais que la thématique de l'event est déjà disponible sur Internet. Donc on ira chien d'œil s'il faut. Ok. Wow. Côté nocturne, c'est bizarre. Bah, déjà, c'est sympa, mais j'ai peur que s'il laisse cette lumière-là sur Vanguard, sur Warzone, ça soit un peu fatigant pour les yeux. S'il faut qu'on plie ses sourcils, je vais pouvoir les trucs, c'est un peu chiant, je trouve. On s'épêche que si on a qu'une seule chance de le faire. Donc deux joueurs, un joueur. Vanguard, Seconde Guerre mondiale. D'après ce que j'ai entendu, on m'a parlé de qu'ils y reprenaient le moteur de. Bah, le même moteur que Warzone, le moteur de Modern Warfare. Ce que je trouve pas trop mal parce que le moteur de Black Ops Cold War. Alors, vous me direz, vous, si c'est où le fait. Moi, j'ai la version PC. Mais j'ai l'impression que plus tu le patches, plus le jeu il pixelise et plus le temps passe et plus c'est dégueulasse quoi, niveau image, je trouve pas ouf quoi. Alors qu'il était plus ou moins beau entre guillemets là, au début, mais maintenant je le trouve limite dégueulasse. Je trouve ça super dommage. Okay. Dans les jours qui arrivent, les gars, vous allez avoir des petits revolts de la chaîne. Parce que beaucoup de choses sont passées un peu sur la chaîne ces derniers temps. Et donc, il va y avoir quelques modifications de la chaîne. Comme l'arrêt complet de la chaîne actuelle de Twitch. 4 ans que je suis sur Twitch et. Et en gros, il y a un ras-le-bol. Littéralement, j'ai un ras-le-bol de Twitch, un ras-le-bol complet de système et compagnie. Donc, j'arrête littéralement, pour l'instant, en tout cas, c'est prévu pour être définitif, de stream sur Twitch. Je risque de me rabattre sur ma chaîne YouTube à un, voire deux streams par semaine. Mais sachant qu'il y a beaucoup de choses différentes qui arrivent, donc voilà quoi. Détruisez le pont, mais d'aller utiliser de la TNT. TNT, préparez l'embuscade. TNT. C'est vraiment ça quelque chose de s'équiper autant, mais quand t'as placé la PNT, ok. C'est quoi ça? Pas de munitions. Et la tenue là, cette tenue là qu'ils ont rajouté qui fait un peu chiant. Ok, donc un train blindé allemand. Il nous arrive dessus à Bivalu.
Lol. L'année pointe à proche de fini. Bombarde-moi sa gueule. Crevez, bande de nazis. Wagon détruit. Un moins. Wow. Oh, la tourelle m'a éclaté. La tourelle m'a éclaté la gueule.
quand tu es dessus, ça va, on fait des dégâts. J'ai pas vu qu'il y avait en fait des niveaux de dégâts des squads en bas à gauche. Et plus vous allez remplir, plus ça vous donnera de, bah, de bannières, d'avatars et compagnie. Ça, j'aime le voir, je connaissais pas. Dernier, je suis d'accord. Il va nous manquer le dernier. C'est Drew. Je pense que c'était le dernier. Bon, c'est pas le meilleur event, mais c'est marrant. Côté bourrin de première, au moins là, c'est plus suce à l'ennemi qu'autre chose, quoi. Il est arrivé des bombardiers à Verdansk. Oh! Allez! Allez, accélère!
J'ai dessiné? Oui, je crois. Le monde entier s'embrase. Arthur, ok. Et parfois, la seule solution est de combattre le feu. Par plus de feu. Dead Emerald Games. Bon, ça sent, c'est-à-dire qu'on aura sûrement des games, un peu comme d'habitude. On va avoir des missions spéciales au tank, des missions spéciales à l'avion. Bah, d'ailleurs, comme il y a eu dans quelques Black Ops aussi, ou comme dans Ghost. Steiner. Là, au moins, il y a des femmes soldats. Ça, c'est cool. Moi j'ai peur pour le nouvel map Verdansk que le problème c'est que la seconde mondiale a souvent été des jeux très portés aussi avec le sniper et tout. Donc j'ai peur que la nouvelle map soit beaucoup trop sur le camping et tout. Selon la gueule de la map évidemment. Mais j'ai peur que ça attire beaucoup trop de campeurs encore plus que maintenant. Je sais qu'il y a le nouveau système d'anti-cheat qui devrait arriver en même temps d'ici quelques semaines. Donc espérons que ça change un peu les affaires. Mais parce qu'on ressent son moment. Avion éclaté. Wade Wilson. En tout cas, c'est joli. Très très joli. Sachant que, ouais, je crois qu'ils ont, comme je disais, qu'ils ont repris le moteur de moderne. Bon, fort. Quoi qu'on fasse, on va le faire ensemble. Call of Duty Vanguard. Septembre, ok. D'accord. Précommandez maintenant pour jouer à la bêta ouverte en accès anticipé. Toute précommande numérique donne instantanément accès aux raids nocturnes virtuoses dans Black Ops Cold War et Warzone. Ok. Putain, vous avez terminé l'événement annoncé Vanguard. On a débloqué. Ok. Obtenir mitraillette. Attends, on va débloquer quoi? Arsenal. Mitrailleuse. Forêt noire. Ok. Pas moyen d'avoir en entier. Ok. Tac, 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 tac. Bon. Ah, on n'a pas accès à la boutique. Bon, c'est-à-dire qu'ils ont dû débloquer le système, entre guillemets, de... Ah, on a eu débloqué ça aussi. On perd la boutique. Parce que je crois pas qu'il y ait des dans la... Il était pas dans la boutique. Non. Ok. Bon ben voilà, une petite petite montre aussi à l'ancienne. Très sympatoche. D'ailleurs je pense que je vais peut-être plus la mettre. Effectivement c'est bon. Oui, est-ce que j'ai eu des patchs. Pour bonheur, la bombe. Autocollant. J'ai dû en avoir. Bon, ben j'ai dû en avoir. Plaque, carte de visite, peut-être carte de visite, non? Vous n'avez pas? Bon, tant pis. Donc là, donc j'espère que ça vous a plu, ce petit, petit aperçu de l'event. J'ai eu la chance déjà de pouvoir choper un emplacement pour l'event, parce que là, clairement, d'ici quelques minutes, le truc va disparaître. J'aurais traîné sur la route, je pense que j'étais mort. J'aurais raté l'event. Donc moi, j'ai pu tester de moi-même. Sinon, j'avais des amis streamers qui le screen et qui m'ont proposé de récupérer l'élément de leur gameplay pour que je puisse faire une petite... petite découverte avec eux à vous partager pour la chaîne. Donc merci à eux. Donc bah, on se retrouve évidemment la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Peace. Surtout partager, liker et oublier.